Bonsoir à tous. Déjà, je vous remercie avec Armel de nous avoir associés à ce débat. Il me semble qu'effectivement, une vision un peu pluridisciplinaire du sujet s'imposait. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que historiquement, vous savez que médecin et juriste, ça fait deux. On a toujours eu du mal à, comment dire, à l'ingérence du juriste dans les affaires médicales, qui, comme vous l'avez rappelé, concernait finalement une personne et une autre, dans le cadre d'un colloque singulier, et que ça ne devait pas sortir de ce colloque, et que les choses devaient s'organiser telles quelles. Alors j'ai pris des notes en même temps, là. On se rappelle notamment de la consultation de l'Académie de médecine, le 29 septembre 1829, par le tribunal de Domfront, dans l'affaire Elie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était, je crois, la première fois, d'ailleurs, que... le tribunal avait consulté comme ça une académie et il avait été dit que le juriste n'avait pas à s'immiscer dans les affaires médicales, que la conscience morale seule suffisait à régler les affaires, quoi, en quelque sorte. Hein. Bon, je trahis un peu les propos, mais c'est un petit peu ça. Bon, on sait maintenant que quand même les choses sont liées et que le droit est venu aussi rappeler que le médecin était soumis aussi à des obligations et pas uniquement des obligations qui relevaient de sa propre conscience. Alors, les sujets sont assez vastes parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées. Je pense qu'on y reviendra pour préciser les choses en fonction aussi de vos questions et du débat qui va s'enclencher. Alors, la différence entre soins palliatifs... J'ai pris les notes au fur et à mesure, donc je reprends un petit peu les points, puis après, on pourra développer. Différence entre soins palliatifs et soins curatifs. Alors, effectivement, d'un côté, on avait l'idée de patients dont l'objectif était la guérison, toujours d'ailleurs quand même, et puis quand même, à l'extrême, le mourant, dont l'image qui a été donnée avec la petite compresse, nous, c'est souvent la main qui tient une autre. Quand il y a des sujets sur les soins palliatifs, il y a une image qui apparaît, c'est qu'on voit une personne, enfin, on ne voit pas vraiment le visage, mais une main qui tient une autre main. En gros, on se tient la main et on attend que les choses se passent. Non, bien évidemment, ça n'est pas aussi simple. Sur l'affaire de la médicalisation de la fin de vie, bien sûr, ça soulève bien des questions. Comment ça se passait avant? Bien visiblement, puisque le médecin n'était peut-être pas au chevet du patient mourant, quoique si quand même, mais bon, il a remplacé le prêtre, en grande partie. Je pense que les patients mouraient quand même mal, dans des grandes souffrances, même si c'était plus rapide. Il y avait peut-être moins de chronicité, peut-être moins de maladies chroniques qui évoluaient lentement. Le décès était relativement rapide, la moindre complication. Et malheureusement, le décès survenait. Donc, je renvoie aussi à Tolstoï. Alors, je ne sais pas de quelle date c'est, d'ailleurs. Bon, La mort d'Ivan Ilitch. C'est quand même intéressant à lire. Ça se passe quand même pas très bien avec le médecin, d'ailleurs, aussi. Qui use d'un privilège particulier, on va reparler puisque la question était soulevée sur sur l'objection de conscience. Il y avait le privilège thérapeutique qui consistait aussi à dire je ne vous dis pas la vérité. Et il en parle dans son roman. Donc il y a quand même aussi une gradation entre le soin curatif et le soin palliatif. C'est pas parce qu'un patient est en soin palliatif, on va dire pour faire simple, à l'unité de soins palliatifs par exemple, ou relève de soins palliatifs, qu'on ne doit pas mettre en place certaines thérapeutiques qui permettraient au moins de traiter une complication qui surviendrait dès lors qu'effectivement on ne rentre pas dans le cadre d'une obstination de raison de soins. Et là aussi, il y a souvent des discussions au sein même de nos équipes. Certains disent « oui, mais là, peut-être qu'on a franchi un peu le pas », puis ils disent « bah non, quand même, il y a espoir que l'état actuel s'améliore. Certes, on ne va pas le guérir, la maladie sous-jacente va évoluer, mais tout de même, il y a des choses à faire. Il est arrivé d'ailleurs aussi que je fasse appel à la réanimation, alors on va dire... Il faut quand même mesurer les choses à ce moment-là, même si c'est plus des fois la réanimation qui fait appel à nous. Bref, il faut dire que les choses ne sont pas non plus d'un côté aussi tranchées que ça, les soins curatifs d'un côté et les soins palliatifs de l'autre. L'objection de conscience, j'en ai parlé, je ne voyais pas trop un petit peu ce qu'il en était là. L'objection de conscience, c'était quoi déjà le... Oui. Oui. Alors la question avait été soulevée notamment par Leonetti dans les débats parlementaires sur la sédation profonde à la demande du patient. Un député avait demandé donc à M. Jean Leonetti est-ce qu'un médecin pourrait s'opposer, donc objecter sa conscience, en refusant au patient le droit à bénéficier d'une sédation profonde et terminale jusqu'à la fin de sa vie. Il lui avait été répondu, donc M. Leonetti avait répondu « il n'y a pas d'objection de conscience lorsqu'on fait son devoir ». Il avait renvoyé ça un petit peu à la déontologie, ou en tout cas le devoir de la,
la conscience du médecin, enfin, je ne sais pas comment dire. Donc non, on ne peut pas. Je crois qu'il n'y a que dans une partie où on peut objecter. Enfin, l'objection de conscience, c'est l'IVG, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Hein, on peut refuser de pratiquer une IVG, si ce n'est qu'il faut pas. Il faut quand même permettre à la personne de bénéficier de l'IVG. Et il me semble quand même que dans certains pays, le médecin peut aussi s'opposer à une là où il y a. Où on peut pratiquer l'assistance au suicide, de s'y opposer, mais là aussi, il doit orienter son patient vers quelqu'un qui le pratiquerait. Enfin, pas l'abandonner, en tout cas, comme ça, en disant « moi, je veux pas » et point final. Alors oui, qu'est-ce qu'une obstination déraisonnable ? À partir de quel moment on considère qu'on s'obstine déraisonnablement ? Alors, dans le code de la santé publique, sur la question, il y a quelques petits éléments qui, quand même, peuvent nous orienter, mais ils sont déclinés. Lorsque les soins sont devenus inutiles, disproportionnés, ou n'ayant d'autres effets que prolonger artificiellement la vie. Donc, c'est des éléments qui peuvent dire, quand même, un soin inutile dans ces conditions, est-ce qu'il est raisonnable ? Un soin disproportionné, donc il ne serait donc pas raisonnable, et un soin qui n'aurait d'autre effet que la prolongation artificielle de la vie aussi. Mais d'un côté, donc, le médecin ne doit pas, il y a une obligation, pratiquer une obstination déraisonnable, mais il peut arrêter un soin qui serait inutile, disproportionné. Il ne doit pas, il peut. Donc le législateur, en fait, si j'ai bien compris, a voulu dire que toutes les situations, par exemple, dont un patient qui aurait une alimentation, une hydratation artificielle, qui serait maintenu en vie de cette manière, et s'il n'y a plus ce traitement-là, le décès surviendrait, ne veut pas dire qu'obligatoirement, sa situation relèverait d'une obstination déraisonnable de soins. En fait, c'est au cas par cas que les choses se décideront, et non pas de manière totalement in abstracto et sur le texte, quoi. Donc effectivement, il y a souvent des discussions, j'imagine en réanimation quasiment plus que chez nous d'ailleurs, sur à quel moment considère-t-on qu'on est déraisonnable, que nos soins sont inutiles, ça, je pense que c'est quand même relativement simple, mais enfin bon, quoique. Donc bon, je laisserai la parole à ma collègue pour ce point-là. Et n'ayant d'autre effet que la prolongation artificielle de la vie, pareil, je laisserai la parole, elle pourra mieux parler que moi là-dessus, parce que dans les unités de soins palliatifs, là où je travaille, on a quand même des patients dont la maladie est assez avancée, bien qu'on soit confronté quand même à des situations particulières, je pense aux pathologies hématologiques, où seule une transfusion sanguine maintient la personne en vie. Mais la maladie évoluant, on transfuse de plus en plus souvent. Enfin, il y a une nécessité de transfuser de plus en plus souvent. On peut considérer dans l'équipe qu'il est déraisonnable de transfuser 4 fois par semaine, par exemple, quelqu'un dans la situation où il est, mais la personne ne va pas trouver ça forcément, elle, déraisonnable. Sa survie en dépend. Si tant est que son état ne soit pas trop dégradé, parce qu'à ce moment-là, la personne va dire « attendez... Enfin, je caricature, hein, mais ça peut se produire comme ça. Là où j'en suis et là où je vais, visiblement, les choses s'accélèrent. Me maintenir en vie dans ces conditions de transfusion, pour moi, ça n'a plus de sens. Bon, ça, on peut l'avoir, des refus de transfusion dans ces conditions. Mais parfois, la personne, non, non, allez-y, continuez. Hein, si c'est tous les jours, ça ne me dérange pas. Alors même que pour l'équipe, c'est totalement déraisonnable. Vous voyez aussi, des fois, la discordance qu'il peut y avoir. Mais dans l'équipe elle-même, il peut y avoir aussi des discordances. D'où la procédure collégiale qui a été mise en œuvre. C'est une discussion qui doit s'engager pour prendre en compte tous les éléments qui peuvent être portés à notre connaissance. Alors, les directives anticipées, puisque le sujet a été abordé. Je monopolise la parole. Combien de temps on a ? Je parle à la place de ma collègue. D'accord. Mais je pense qu'elle reprendra aussi différentes notions. Les directives anticipées, bon, elles viennent finalement dans la mouvance de l'autonomie de décision de la personne, hein, qui, ma foi, existe depuis peut-être la Révolution, j'en sais rien, enfin, ça s'accentue à partir de ce moment-là. La loi de 2002, qui n'est venue finalement que retranscrire la jurisprudence, vous me dites si je dis des bêtises. Et puis notamment les lois relatives à la fin de vie qui visent à renforcer l'autonomie décisionnelle du patient de refuser un soin, et puis aussi comment faire lorsque le patient ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas exprimer sa volonté. Donc les directives anticipées s'inscrivent bien sûr là-dedans. Alors bien évidemment, et ça avait été soulevé en 2005 lors de la loi Leonetti, oui, mais alors un patient qui s'exprimerait des années auparavant sur les conditions de sa fin de vie, est-ce bien un consentement éclairé lorsque va survenir donc le problème ? Est-ce qu'on peut envisager 10 ans à l'avance ce qui va nous arriver, de quelle manière et quelle serait à ce moment-là notre décision ?
À tel point que les directives anticipées en 2005, on avait posé une limite de validité qui était de 3 ans. Donc il n'y a plus de limite de validité depuis 2016. Bon. En tout cas, c'est un moyen qui permet aussi aux praticiens, enfin aux patients, puisque l'objectif est là d'exprimer sa volonté, mais aussi aux praticiens de connaître la volonté du patient. Alors bien évidemment, il va falloir faire avec. Hein. Même si on a l'impression que cette volonté aurait pu changer au cours du temps, mais rien ne nous dit que ça va être le cas. En tout cas, le patient a toujours la possibilité de réviser ses directives à tout moment. Donc on peut imaginer que s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'a pas changé d'avis. Alors il y avait l'idée, lors des débats parlementaires, de faire un registre national en rappelant aux patients tous les ans qu'il a rédigé des directives anticipées et de savoir si elles sont toujours valables. Alors je ne sais pas par quel moyen, par mail, ils vont, sachant que les mails, ça change régulièrement. Enfin bon, je pense que c'était aussi une usine à gaz qui avait été envisagée. Bon, on voit bien l'idée qui était derrière. Alors il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de patients, en tout cas nous en soins palliatifs, qui viennent avec des directives anticipées. Ce n'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs, je ne sais pas si on peut dire ça, si ce n'est qu'en Allemagne, où elles existent depuis longtemps et où elles sont opposables aux médecins, il y avait une étude qui avait montré que seuls 16% des patients hospitalisés avaient rédigé des directives anticipées. Donc il ne faut pas non plus qu'on espère que tout patient, que toute personne, je dis patient d'ailleurs, pas forcément, parce que toute personne non malade peut rédiger des directives anticipées. Donc il ne faut pas espérer non plus qu'on puisse, de cette manière-là, écrire sur un papier ce qu'on souhaiterait concernant les modalités de sa fin de vie. Mais après tout, on prend bien des décisions sur le futur, dès maintenant, alors, sur des choses peut-être moins difficiles, mais enfin bon, on se lance des fois dans des emprunts, machin, enfin, etc. Donc on ne sait pas quel sera l'avenir, mais on prend quand même des décisions, et puis voilà, après on se dit « j'espère que tout se passera bien ». Bon, donc on peut imaginer qu'on puisse aussi prendre des décisions, et puis bah, en se disant « je connais le risque », c'est qu'au moment où ça surviendra, peut-être que juste avant, si on pouvait m'interroger, j'aurais changé d'avis. Alors il est rapporté, d'ailleurs, je crois qu'il a écrit un bouquin, et c'est d'Orléans, c'est un témoignage d'Orléans, de réanimation. Je ne sais pas si tu l'as connu, ce patient, je ne sais plus son nom. Enfin, il écrit un livre, il s'appelle Le Bocal, je crois. Hein, voilà. Mais je ne sais pas si c'est lui qui disait, j'espère qu'on ne trouvera pas, non, c'était pas ça, je me trompe peut-être, mes directives anticipées qui sont dans ma poche. Je ne sais pas si c'est lui, enfin bon, il y a une histoire comme ça, où un patient en réanimation avait écrit directives anticipées, qui était quand même assez limitative sur les soins. Et il avait encore sa vigilance, mais il ne pouvait pas s'exprimer. Et donc, il racontait après, donc les choses s'étaient plutôt bien passées pour lui par la suite, il disait qu'il espérait que personne ne fouille ses poches pour trouver ces fameuses directives anticipées, parce que s'il pouvait s'exprimer à ce moment-là, il aurait dit « n'en tenez pas compte ». Bon, c'est un risque à savoir si des fois, effectivement, on écrit dans ces directives anticipées, si des fois je suis tétraplégique et ventilé artificiellement, je ne veux pas être tétraplégique toute ma vie, donc débranché avant l'artifice qui me maintient en vie. Et je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller avec ça. Alors quand même, le deuxième modèle des directives anticipées paraît plus pertinent, puisqu'il concerne une personne qui a une pathologie précise, et l'idée c'est effectivement de discuter avec le praticien des différentes possibilités d'évolution de la maladie, des différentes possibilités qui pourraient se présenter à ce moment-là concernant les soins, et de dire au praticien, je ne souhaite pas bénéficier de tels soins qui pourraient me maintenir en vie, mais dans des conditions que je n'accepterai pas. Donc je vais vous l'écrire, je vous le dis, donc tant mieux, mettez-le sur le dossier, mais je vais aussi l'écrire, parce qu'on ne sait jamais, je peux être hospitalisé à un autre endroit, et comme ça, au moins, ils le sauront. Alors la différence, effectivement, je souviens un peu du coq à l'âne, mais euthanasie passive, euthanasie active, c'est un truc, on n'arrive pas à s'en dépêtrer, parce que à chaque fois qu'on lit quelque chose, on dit une définition, qui se rejoint ou qui s'éloigne. Pour moi, la question... Alors, euthanasie passive, pour nous, dans le milieu des soins palliatifs, c'est on administre un produit, en général par voie intraveineuse, qui provoque directement la mort, avec l'intentionnalité, bien sûr, de la donner. Quelles qu'en soient, j'allais dire, les motivations. En général, c'est la bonne vie, étymologiquement, d'ailleurs, la bonne fin de vie, plutôt. La bonne mort. Voilà, bon, même si... donc voilà. L'assistance au suicide, comme ça se produit dans certains pays, on donne au patient un produit, libre à lui de le prendre par ses propres moyens ou de ne pas le prendre. Alors après, le patient qui n'a pas la possibilité de le prendre se retrouve doublement sanctionné, j'allais dire, si on peut voir ça comme ça, parce qu'il ne peut pas bénéficier même de ce qui serait possible. Bon, c'est une autre question. Par contre, est-ce qu'arrêter un traitement de survie qui a été mis en place à un moment donné et qui va entraîner le décès, et dont on sait ce qui va se produire, relève d'une euthanasie, qu'elle soit passive, active, peu importe, parce que de toute façon, il y a bien une activité
elle est bien active, puisqu'on débranche quand même quelque chose, donc il y a un fait de la personne en disant je vais le faire et je sais pourquoi je le fais. Le médecin en général, bon. Donc passive, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, la question, c'est celle de l'intentionnalité. Alors là, effectivement, quand on discute comme ça, c'est assez subtil, mais même si ça l'est. Mais bon. L'intentionnalité en arrêtant un traitement artificiel qui maintient la vie du patient et qui a été mis en place, c'est de ne pas prolonger la vie telle qu'elle a été maintenue artificiellement par le médecin. En gros, je me retire d'un traitement que j'ai mis en place qui devient inutile, parce que finalement, on voit bien que ça ne va pas fonctionner plus que ça, qu'il n'y a pas de réversibilité possible de l'état du patient. Donc l'intention du médecin à ce moment-là, c'est je retire la technique pour rendre la place à la nature. On va dire ça comme ça. Ça n'est pas du tout la même chose que ce que je souhaite, c'est provoquer la mort. Vous voyez la différence ? Je me retire pour ne pas prolonger la vie, ou ne pas prolonger un traitement qui est devenu inutile, disproportionné, etc. etc. Et j'arrête le traitement parce que ce que je veux, c'est que le patient meure. Moi, je trouve qu'il y a une différence. Non, ça ne vous convainc pas ? Pour moi, je fais une différence assez nette, mais bon. Je conçois qu'elle ne soit pas évidente, parce que quand on parle même entre nous, on n'est pas tous d'accord. Je ne sais pas après toi ce que tu en penses. Bon, même si la question d'intentionnalité qui a soulevé aussi des débats, peut-être pas doctrinaux, mais en tout cas au niveau de l'éthique et de la philosophie, avec les différents niveaux d'intentionnalité, certains effectivement amènent ce débat-là. Est-ce que finalement l'intention du médecin qui dit j'arrête mon traitement pour ne pas prolonger la vie ou maintenir une technique que j'ai mis en place, est-ce que derrière il n'y a pas quand même aussi une certaine volonté en disant bon, maintenant la mort doit survenir? Je vous renvoie aux travaux de Davidson, notamment, enfin, pour ceux que ça intéresse. On sait aussi, on parlait de la mise en œuvre d'une sédation, que si, lorsqu'on met... alors la sédation, on distingue deux choses. Vous me dites stop hein, quand je dépasse mon temps. La mise en œuvre d'une sédation existait avant la loi de 2016. Si ce n'est que c'est devenu un droit du patient à bénéficier d'une sédation sous certaines conditions. Mais auparavant, on la mettait en place, dans le cadre des bonnes pratiques, on va dire, médicales, lorsqu'on estimait nécessaire de diminuer la vigilance de la personne pour diminuer les souffrances. Bon. On sait aussi derrière que lorsqu'un patient est extrêmement fragile, je pense notamment à un patient en état d'asphyxie, tel qu'on peut les voir chez nous dans les cancers pulmonaires ou ORL, la maladie évolue et malheureusement, la ventilation ne peut plus se faire et il n'y a plus de traitement possible. Donc la seule solution qui se présente pour éviter aux patients de souffrir d'asphyxie et de mourir asphyxique, ce qui n'est quand même pas non plus jovial comme fin de vie, c'est de l'endormir, de diminuer sa vigilance. Bon. Mais on sait très bien que lorsqu'on met un traitement, notamment le midazolam, qui est une benzodiazépine, qu'on va, chez un patient déjà fragile, que le traitement par lui-même va probablement accélérer les choses. Bon. Donc ça, c'est un risque connu, et lorsqu'on peut en discuter avec le patient, on peut lui expliquer aussi ça. Hein. Que, comme tout traitement, il y a des fins désirables. Les fins désirables, là, je ne sais pas si on peut l'appeler fins désirables, mais enfin, vous voyez, c'est d'accélérer le processus terminal, mais qui, de toute façon, lui-même est déjà à l'œuvre. Donc là, c'est qu'une question de la différence, ça va être minute, heures ou quelques heures de plus. Oui, ça se résume à ça. Donc ça ne change pas grandement, j'allais dire, pour le patient, les choses. Et en général, ce que le patient demande, c'est à terminer sa vie dans les meilleures conditions possibles. Il n'en est plus à quelques minutes près. Je résume facilement, mais c'est un peu ça. Bon, après, on pourra discuter, mais je vais laisser la parole parce que j'ai l'impression de monopoliser. Sur les difficultés ou quelles questions peut soulever ce droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'à la fin de vie. Voilà, merci. Je suis désolé pour la durée. Thank you.